Ils venaient d'ailleurs, où leur père était déjà venu un jour de 1917. C'est par une nuit déchirée par mille moteurs que de gros oiseaux fendirent le ciel, laissant glisser leurs ombres sur les herbages inondés du clair de lune. De leurs ventes sortaient par grappes pour se jeter dans le vide des aigles sans ailes, suspendus à des corolles de soie aux couleurs des prairies où allait se jouer leur destin. Cette nuit allait être longue pour ces hommes venus d'ailleurs. L'ennemi de leur père était revenu sur cette terre. Tapi dans l'ombre du bocage, il allait déclencher la fureur de l'acier sur leur fils si vulnérable dans les airs, mais redoutable sur cette terre qu'ils étaient venus reprendre et semer les graines de la liberté. Cette nuit avait été longue pour ces hommes venus d'ailleurs. Ce matin de juin 1944, dans le ciel de Normandie, beaucoup de ces aigles avaient des ailes et volaient vers les cieux pour y souffler le vent de la mémoire.